Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaul 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vous montre ici 11 sites internet qui vont vous permettre d'avoir des textes en mode arc-en-ciel. Et c'est après ça. Donc, je vais vous mettre les liens de chacun des sites dans la description de la vidéo. Commençons par le premier, avec Rainbow Text Generator. Vous voyez que vous pouvez agir sur la saturation, et vous voyez ainsi ce qui se passe. Vous pouvez agir sur la luminosité. Vous choisirez donc ce qui vous intéresse et pour pouvoir taper le texte, c'est dans la zone de texte, ici, on va taper toute une phrase pour voir ce que cela donne. Très bien, voilà, vous avez votre texte et vous avez le code HTML et le bébé code qui apparaît. Vous pouvez aller sélectionner le texte et on va ouvrir Word. Alors là, c'est un fichier personnel que je vais fermer. Je vais faire CTRL N, CTRL V. Et vous voyez que vous pouvez donc copier et coller. Vous aurez juste à supprimer, bien sûr, les caractères noirs. Ce n'est pas forcément facile, mais vous allez y arriver. En fait, il faut se mettre avant le caractère noir et appuyer sur la touche supra. Voilà. Maintenant, allons voir un deuxième site qui se nomme également Rainbow Text Generator, mais c'en est un autre. Vous pouvez taper votre texte et générer le code. Et vous avez également l'HTML code et le bébé code. Vous pouvez le sélectionner par le biais du clic gauche maintenu, CTRL C, et aller le coller. Ensuite, voyons un troisième site qui se nomme toujours Rainbow Text Generator, mais c'est avec cette adresse. Et alors, ici, vous avez donc votre zone de texte. Et puis, vous pouvez choisir, bien sûr, les langues. On va ici taper Freddy Gaul 1. Voilà. On peut générer le code. Et on obtiendra donc notre code concernant la photo. Vous voyez ici tout ce qui peut être fait avec ce site.
et vous pouvez supprimer et retaper votre texte, par exemple, et là, on va appuyer sur convertir en image, et là, on voit notre texte. C'est une image. Et lorsque vous faites un clic avec le bouton droit de la souris, vous pouvez enregistrer l'image sous. C'est une image au format PNG. On va l'appeler Freligal 1 parce que j'ai fait une petite erreur, c'est pas grave. Dans téléchargement, oui, vidéo, allez, peu importe, enregistrer. Très bien, maintenant passons à un quatrième site, Text Color Fader. Donc on va taper un rapide texte, Freddy. Vous avez des choix de couleurs ici, on les laisse, vous pourrez donc ici les personnifier, on génère et on a notre texte que l'on peut également encore sélectionner, CTRL-C ensuite et alors ensuite le coller. Très bien. Maintenant passons à un autre site encore, c'est le cinquième texte 3D arc-en-ciel. Alors vous voyez que ça, c'est particulièrement beau. On va taper formation. Alors là, par défaut, vous avez ce fond. Mais vous pouvez choisir, bien sûr, des styles, par exemple des styles de dégradé ou un motif de remplissage en important une image. Par exemple, je vais importer une image ici, celle-ci, ouvrir. Et là, par contre, l'image va se mettre à la place de l'effet arc-en-ciel. On retourne sur texte et on tape notre texte. Et donc, pour revenir à l'effet arc-en-ciel, ce qu'on fait, c'est qu'on va actualiser en faisant F5 et on peut taper notre texte et ça fonctionne. Pour le fond, vous pouvez mettre un fond, par exemple, c'est très bien, et après, vous pourrez aller sur télécharger pour télécharger l'image. Alors, la qualité élevée et max sont pour le mode premium, mais moyenne suffit tout à fait. Vous pourrez l'enregistrer au format PNG. Ensuite, passons à Rainbow Text Generator, cet autre site encore de The Fancy Text. Et là, vous tapez votre texte ici. Les formation pour vous. Et vous pouvez tout à fait, par le biais du clic gauche maintenu, sélectionner, puis faire CTRL-C et mettre à l'endroit désiré. Ça marche. Ensuite, nous allons passer à un autre site, Welcome to my Rainbow. On va le laisser tel quel. Et puis,
On regarde ici s'il y a des choses qui nous intéressent. Alors là, c'est plus un site avec d'autres effets, mais ça peut être intéressant également pour vous. Vous pouvez prendre le mode Miami et taper donc ici, ou même un texte néon et taper votre texte. Donc ça, c'était un petit encart pour vous. Mais vous voyez que c'est très bien. Et vous avez votre texte. Alors après, vous pouvez faire un clic droit, enregistrer l'image et l'appeler Freddy Gaulle 1, par exemple. Et l'enregistrer, et vous la retrouverez à l'endroit indiqué. Ensuite, nous allons passer à ce site Rainbow Text Generator, encore de FireDK. Là, vous tapez votre texte. Voilà. J'appuie sur Submit et je l'ai. CTRL-C. Et puis je me mets à la fin. Je fais CTRL-V. Très bien. Je passe donc maintenant à un autre site. Metal Rainbow Text Effect. Alors c'est très simple. Dans la zone Your Text, vous allez taper votre texte, par exemple. Très bien, donc voilà, vous appuyez sur Go, et vous ne voyez pas votre texte, donc comment vous faites? On va taper un texte plus court, on va faire celui-là, et là, vous voyez, l'image est en train d'être créée. Donc on est presque au bout et on voit ce très bel effet qui est magnifique. Vous pouvez faire également un clic droit, enregistrer l'image, dissonance par exemple, type JPEG image, voilà, enregistrer. Ensuite, on a Minecraft Rainbow Text. Alors là, c'est assez simpliste, mais ça marche quand même, c'est très bien. Donc, on peut taper Avenir radieux, par exemple. Vous l'avez ici. Donc, vous pouvez copier, clic droit copier, on va aller là, CTRL-V, et alors là, vous avez des suites de caractères, c'est un peu spécial. Donc ce site, bon, il est pas mal, mais alors, pour pouvoir récupérer votre texte, c'est pas facile, parce que lorsqu'on retourne dans le fichier Word, dans ce cas-là, il faudra supprimer tous les caractères en
entre chacune des lettres. Mais c'est très bien, ça fonctionne quand même. Maintenant, voyons voir Animate GIFs Rainbow. Alors là, c'est très simple. Je vais me mettre comme ceci. Voilà. C'est comme ça qu'on est par défaut. Your text est vide. Your animated text est vide. Et donc, vous vous demandez comment on peut faire pour taper le texte dedans. Alors, vous voyez que cette page est en français, mais lorsque vous cliquez dessus, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici toutes les lettres et les chiffres. Et là, vous pouvez taper votre texte. Le soleil brille et je souris tous les jours. Générez votre texte et vous avez votre texte. C'est génial. Clic droit, enregistrer l'image sous. C'est un GIF. On va l'appeler le soleil brille. Très bien. Vous avez de nouveau le code HTML. Ça peut être intéressant si vous avez un site. Dans ce cas-là, vous pourrez intégrer, bien sûr, tout le code. Et puis, je vous laisserai naviguer sur chacun des sites pour trouver les effets qui pourraient vous intéresser ultérieurement. Merci pour votre qualité d'écoute. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de partager autour de vous et de commenter. Et si vous avez des desiderata, n'hésitez pas. Merci.